Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous, très heureuse de vous retrouver. On est en direct jusqu'à 20h55 avec une équipe reconstituée puisque Mathieu Bédière est de retour. Salut Mathieu. Bonsoir à toutes et à tous. Dans votre 5 sur 5 ce soir pendant que je vous tiens. La reine d'Angleterre, où est-elle passée? Discours du trône aujourd'hui, elle n'en a pas manqué un depuis 1963. Or, vous le voyez, c'est le prince Charles qui a lu ce texte qu'en fait elle n'écrit même pas, c'est le gouvernement qui l'écrit. Vous lui faites un reproche ou... Ça pose quelques questions, on est à moins d'un mois de son jubilé de platine. On y revient dans le 5 sur 5. Bonsoir à tous les 5, pardon, je fais tout dans le désordre. Bonsoir Babette. Émilie, votre choix de l'actu du jour. Un témoignage, celui de Marat Gabiloudine. À ce jour, c'est le seul ex-membre de la force Wagner, cette armée de l'ombre de Vladimir Poutine, qui témoigne en son nom, à visage découvert. Et il sera dans un instant sur le plateau de C'est à vous. Mohamed, votre story. La France a perdu l'un de ses plus grands espoirs de la cuisine. Il s'appelait Antoine Aleno. C'était le fils du triplement étoilé chef Yannick Aleno. Il a été percuté hier par un chauffard. On revient sur ce drame qui bouleverse le monde de la gastronomie. Et Patrick, votre édito ce soir. Les présidents de la République qui se mêlent des législatives, vieille histoire, soit pour indiquer le bon choix, soit pour cocher eux-mêmes la liste des candidats investis dans les circonscriptions. Ça tombe bien, c'est l'édito de Guillaume Tabar, rédacteur en chef au Figaro. Bonsoir. Bonsoir. Guillaume Tabar, vous signez ce matin un édito consacré au président fraîchement réélu, mais déjà les deux mains dans la tambouille électorale. À vos côtés, Saveria Rojek, journaliste et éditorialiste politique. Vous signez un livre qui nous plonge dans les coulisses de la réélection d'Emmanuel Macron, une résurrection. Carrément, c'est le titre de votre ouvrage. Merci à tous les deux de votre présence ce soir. Et Mathieu, votre œil. Et Pierre, oui. sous mon prénom, je vais vous parler à Paris et dans cette ville de France, une rétrospective Jean-Pierre Mocky, pour ceux qui aiment cet homme et réalisateur de caractère, et puis pour celles et ceux qui vont le découvrir et l'aimer. Nos invités du dîner ce soir, Jacques Gamblin, qui est à l'affiche d'une comédie familiale très réussie, un peu nostalgique, il fait tout pour sauver son couple. Et puis Sarah Abitbol, cette grande championne de patinage dont le témoignage sur les violences sexuelles qu'elle a subies a provoqué une véritable onde de choc. Dîner préparé par Édouard Chouteau. Bonsoir cher Édouard, chef de la laiterie à Lambersart, c'est dans le Nord. Carbonade végétale ce soir. Petite carbonade flamande, voilà. Mais végétale, c'est dans le menu qu'on fait au restaurant aussi. Oui, et j'écorche aussi le nom de votre ville, puisque c'est Lambersart. Lambersart. C'est près de Lille. Pardon, mille excuses à tous les Lillois et les habitants de Lambersart qui s'appellent les... je connais Patrick. Les Lambersartiens, non? Oui. Je ne suis pas contredite par Edouard ce soir. Bon, voilà. On y va, on remet tout dans l'ordre, on démarre l'émission. Plus de deux semaines après sa réélection, Emmanuel Macron tarde toujours à revertir sa panoplie de président. Il n'a pas en revanche tardé pour se parer de celle de chef de la majorité. C'est écrit donc ce matin dans l'excellent édito de jour signé Guillaume Tabar. Le chef de l'État est en effet actuellement à Aubervilliers pour rencontrer les candidats de sa majorité à venir. Iban Raïs et Anaïs Recouli ont rencontré ceux qui ont passé une journée de formation. Le temps d'intégrer, vous allez voir, deux, trois éléments de langage. Si vous aviez un conseil à donner aux nouvelles têtes, ça serait lequel ? Rester soi-même. Ne pas chercher, quand on vient en politique, à imiter les autres. D'être soi-même, de porter ses convictions. Rester authentique. Ils m'ont donné comme conseil d'être authentique, de parler à tout le monde, d'écouter. Arpenter le terrain, aller à la rencontre des citoyens. Du terrain et des citoyens. L'essentiel aujourd'hui, c'est de montrer que le terrain est plus que jamais essentiel. Le terrain, encore et toujours. On se bat sur le terrain, convaincre. Plus de terrain, ce que vous me dites. Ah, toujours plus de terrain. Je pense que notre politique a besoin de souffle, a besoin de personnes qui parlent avec leurs tripes, qui utilisent leurs propres mots. On n'est pas dans ce séminaire pour qu'on nous donne des éléments de langage. Un président devrait-il se mêler de tambouille électorale? Imagine-t-on le général de Gaulle mettre les mains dans le cambouis? Oui, répondent en cœur Guillaume Tabar et Patrick Cohen, c'est l'objet de votre édito. Patrick, tous les présidents se sont mêlés des élections législatives. Oui, le plus pressant fut Valéry Giscard d'Estaing à deux mois des législatives de 78, où la droite au pouvoir était sérieusement menacée d'être renversée par l'union de la gauche. Giscard risquait la cohabitation et le 27 janvier 78, à Verdun-sur-le-Doubs, ou près de Chalon-sur-Saône, il débute son discours par une phrase restée fameuse: « Je suis venu vous demander de faire le bon choix pour la France », avant de justifier longuement sa propre intervention. Le président de la République n'est pas un partisan, il n'est pas un chef de parti.
mais il ne peut pas rester non plus indifférent au sort de la France. Il est à la fois arbitre et responsable. Sa circonscription, c'est la France. Ma circonscription, c'est la France. On n'a pas trouvé de meilleure formule pour décrire l'emprise présidentielle sur le scrutin législatif. Et pour dissuader les électeurs de donner une majorité au programme commun de la gauche, Giscard déclare encore « Les Français ne vivront pas heureux au paradis des idées fausses ». C'était Giscard évoquant Mitterrand, mais ça pourrait être Macron parlant de Mélenchon. Mais ce discours du choix avait fonctionné. Du bon choix, oui, bon face choix. À une gauche querelleuse, à la fois unie et divisée, la majorité avait gardé la majorité, mais Giscard perdra la présidentielle 3 ans plus tard, en 81, face à François Mitterrand. Aux législatives, les étiquettes présidentielles sont déterminantes. On l'a vu il y a 5 ans, avec l'arrivée en masse à l'Assemblée de députés inconnus qui avaient le label Macron. C'est ce que tente aujourd'hui d'ailleurs le chef des Insoumis, avec cette armée de candidats qui auront pour affiche Mélenchon Premier ministre. Mais ce fut le cas dès les débuts de la Ve République, lors du retour au pouvoir de Gaulle, quand les députés Godillot ont envahi l'hémicycle. « Nous sommes les Godillot du général », avait déclaré un député de l'Hérault, et la formule avait eu un grand succès quelques jours plus tard à la une du Canard enchaîné. Un exemple parmi 100 autres, celui d'un élu tombé dans l'oubli, je pense que vous, y compris dans le vôtre, du nom de Claude Roux, qui se souvient de... Député du 15e arrondissement de Paris. Bravo. Mais alors Guillaume Tabar, bravo. Député de 1958 à 1981. Je suis 23 ans député de Paris, mais connu pour son dilettantisme et son goût des voyages. Il était originaire de Guadeloupe et donc inconnu des médias. En 23 ans de mandat, je n'ai trouvé qu'une seule et unique image de lui dans les archives de l'INA à la tribune de l'Assemblée nationale. On va la voir, comme ça on va en profiter. Nous pensons que la France et l'Europe ne peuvent rester indifférentes alors que la guerre fait rage en Méditerranée. Claude Roux, jeune avocat élu en 58 dans la vague gaulliste, qui ne s'attendait pas à être renouvelé, qui ne relevait même pas son courrier à l'Assemblée nationale, surpris hors de France par la dissolution de 62, confronté à un concurrent de poids en 62, c'était Denis Baudouin, futur porte-parole de Jacques Chirac, absolument. Il fait à peine campagne, mais sur son affiche, il imprime seulement 2 phrases. « Vous faites confiance au général de Gaulle, dans le 15e, de Gaulle, c'est Claude Roux, votez Claude Roux, il fut largement réélu, et même 6 fois de suite jusqu'en 81, avant d'être débranché par le RPR au profit de Jacques Toubon. C'est Jacques Toubon qui a récupéré la circonscription. Beaucoup de choses ont changé en politique au fil des ans, mais pas le poids de l'étiquette nationale dans l'élection des députés. Guillaume Tabar, ça vous le rappelait ce matin dans le Figaro, l'idée que le chef de l'État n'aurait pas à se salir les mains dans la tambouille électorale, ça c'est un mythe absolu. Oui, c'est vrai qu'on vit dans le mythe et presque dans l'illusion en France que le président de la République est quelqu'un au-dessus de la mêlée. Or, je pense que c'est la conséquence aussi de l'élection du président au suffrage universel. Dès lors que le président est élu au suffrage universel, c'est lui qui est responsable de tout. Enfin, aux yeux des Français, c'est lui qui doit rendre compte de tout. Donc, qui assume la réalité du pouvoir, même si on sait que dans la Constitution, il y a un certain équilibre qui se fait, ou avec le gouvernement, ou avec le Parlement. Et tous les présidents ont eu le souci d'avoir une majorité à eux. Ce qui est d'ailleurs logique, parce que faute de majorité, ils ne peuvent plus gouverner. Ça s'appelle cohabitation. On l'a vu. Ils n'ont pas le choix, en quelque sorte. Oui, et puis surtout, qui peut être le meilleur agent électoral pour obtenir une majorité présidentielle que le président lui-même? Et surtout là, depuis 2002, où on a une concomitance, en tout cas une succession immédiate des législatives et de la présidentielle, les Français qui viennent d'élire un président, donc ça a été Chirac en 2002, Sarkozy, Hollande et Macron ensuite, le meilleur moyen c'est de dire, c'est donnez-moi une majorité, et celui qui est le mieux placé pour le demander, c'est le premier intéressé. Donc quelque part, vous voyez, Sarkozy était le premier à faire un vrai meeting de campagne une fois élu président. Emmanuel Macron, ce n'est pas un meeting, mais il vient briefer les candidats. Quelque part, c'est quand même la sortie d'une forme d'hypocrisie. Mmh. Et c'est un système qui a été bien intégré par les Français, par les électeurs qui votent, en sachant que ça déterminera la majorité législative. D'autant qu'on est dans une situation particulière aujourd'hui, parce qu'il n'y a toujours pas de nouveau Premier ministre. Mmh. Donc, si encore il y avait peut-être quelqu'un pour incarner cette... Il pourrait mener campagne. Voilà, il pourrait mener campagne, mais c'est évidemment pas Jean Castex qui doit partir d'ici
au maximum 2-3 jours, c'est pas lui qui va aller galvaniser et structurer cette majorité. Il n'y a que Emmanuel Macron pour le faire. Au moins jusqu'au 13 mai. Ah oui. Le 13 mai, c'est le dernier jour du premier quinquennat du mandat d'Emmanuel Macron. Mais personne n'a dit qu'il partirait le 13 mai ou le 14. Il y a un dîner jeudi soir. Oui. À Matignon. Ah. Oui, il y a un dîner qui pour les ministres. Voilà, les membres du gouvernement sont conviés à Matignon. Peut-être, on interpréterait ça comme un dîner d'adieu, effectivement, de ce gouvernement Castex. Mais comme vous le dites, ce n'est pas acquis. Et si j'ai un pronostic à faire, je pense que c'est lundi qu'on aura la démission formelle de Jean Castex et la nomination de... Monsieur ou Madame X. Monsieur ou Madame X, qui sera sans doute un technicien plus qu'un politique, selon vos informations, Guillaume Tabar. Faisons le tour des hypothèses. Un politique, c'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment une autorité politique forte. Il n'y en a pas 50 dans la majorité. Il y a soit Richard Ferrand, mais qui se trouve très bien à la présidence de l'Assemblée nationale et qui n'a pas envie forcément d'en changer. Il y a François Bayrou, qui lui se verrait bien à Matignon. Mais François Bayrou, c'est quand même un allié puissant, mais ce n'est quand même pas le parti du président. Donc ça paraît quand même compliqué. Ensuite, des profils mi-techniciens, mi-politiques. Là, pour le coup, il y en a... Alors là, chaque jour, la liste s'allonge. Bon, il y a quand même un certain nombre de ministres. Je veux dire que c'est pas un hasard, malgré tout, si on parle beaucoup et peut-être de plus en plus d'Elisabeth Borne. Qu'à la fois, c'est une ministre, donc c'est en soi une politique, même si elle n'a pas encore de mandat électoral. Bon, et en même temps, elle a appris, en tout cas en 5 ans, à faire tourner la machine. Je pense que ce qui a convenu à Emmanuel Macron, dans le profil technicien, effectivement, que vous sentez, Guillaume Tabar, c'est Jean Castex. C'est qu'effectivement, le côté technicien, il n'y a pas de rivalité entre l'Élysée et Matignon, comme il y a pu en avoir, en tout cas à la fin, effectivement, de la présence d'Édouard Philippe à Matignon. Ça, c'est très, très important. Et c'est effectivement, je pense que plutôt que homme-femme ou gauche-droite, je pense que c'est plutôt son dilemme, c'est politique ou technicien. Pour illustrer à quel point Emmanuel Macron est un chef en campagne, qui se mêle des législatives à venir, une scène a été captée lors de la cérémonie d'investiture. Le président serre des mains et salue notamment le maire de Gréoux-les-Bains dans les Alpes de Haute-Provence. Merci. Je suis candidat aux législatives pour vous. Je le sais. Merci. J'ai vaguement regardé ce truc-là. J'ai vaguement suivi ce truc-là. Évidemment, on sent l'ironie quand on sait qu'il a passé des soirées entières, le crayon à la main, à rayer des listes et à les écrire, à les fabriquer. Absolument, il y a eu un dîner, effectivement, il y a une dizaine de jours à l'Élysée, autour du chef d'État, autour d'Emmanuel Macron, avec effectivement ses conseillers, son cercle les plus proches, et puis certains ministres, Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu, François Bayrou également. Et ils ont fait circonscription par circonscription chaque nom, et je peux vous dire que ça a duré jusqu'à 2h30 du matin. Donc non, il est effectivement chef de la majorité, chef de son camp. Mais pourquoi ? Parce que pour agir comme il le veut, comme il l'a dit dans son discours d'investiture, cette anaphore-là de répéter 10 fois agir, pour agir, il faut une majorité stable, il faut pouvoir effectivement réformer. Et je pense qu'il craint aussi la présence, l'arrivée des extrêmes à l'Assemblée. Je pense que, juste pour terminer, je pense que 17 députés France Insoumise, pendant un quinquennat, il les a trouvés assez bruyants, et là, il risque d'être beaucoup plus nombreux, les LFI. Donc il a besoin de ça pour gouverner, d'une majorité stable. Mais là, on voit qu'Emmanuel Macron est un vrai politique. C'est pas tant qu'il sache que le maire de Gréoux-les-Bains sera candidat aux législatives, c'est qu'il pense à dire au maire de Gréoux-les-Bains qu'il le sait. Parce qu'à ce moment-là, le maire de Gréoux-les-Bains se dit « Ah ben, même moi, il m'a repéré, c'est donc que je compte à ses yeux. » Ça, c'est la marque d'un vrai politique. Est-ce que la scène ne vous a pas rappelé une image fameuse de 1988, Ségolène Royal ? Réclamant. De l'investiture, la réinvestiture de François Mitterrand, réclamant une circonscription. Et l'obtenant, finalement. Et l'obtenant. Incroyable scène. Et victorieusement, effectivement, elle l'interpelle. François Mitterrand la connaît de vue. Elle a été dans l'équipe de conseillers élyséennes, mais c'est quand même assez culotté et ça a marché. Ça Verrière, Roger, vous revenez dans votre livre sur la campagne d'Emmanuel Macron et ses réunions qu'il préside pour en affiner la stratégie. Pas un politique, pas un ministre n'est présent, et vous écrivez « Macron ne leur fait pas confiance ». Tout se retrouve à un moment ou un autre dans la presse. Il dit parfois que les ministres sont un mal nécessaire, des gens pour faire joli. C'est un avertissement pour tous ceux qui espèrent entrer au gouvernement ? Ils savent qu'ils feront joli ? Je pense que c'est effectivement peut-être une facilité de langage à un moment, quelque chose, ce type de tournure de phrase lui a échappé, parce que je pense
pour le coup, qu'il estime profondément certains membres du gouvernement, si ce n'est tout son gouvernement. En revanche, c'est vrai, c'est qu'il considère que les politiques sont des gens qui parlent notamment à la presse, que tout se retrouve un jour ou l'autre dans les articles. Il déteste ça. Il y a vraiment une idée, c'est presque, ça fonctionne comme une sorte de secte, hein, il y a un comportement sectaire autour de lui. C'est un cercle de confiance dans lequel il y a des conseillers. C'est aussi un monde qui est même très masculin. La plupart de ses conseillers sont des hommes. Et une fois qu'on est dans le cercle, effectivement, alors là, pour le coup, on se tutoie, on est très proche, on rigole, on fait des blagues parfois de façon très familière. On a un langage très familier. Mais il y a vraiment que quelques personnes en quelles il a confiance, réellement. Oui, c'est vrai. Et le fonctionnement de l'Élysée est très étroit. Il fonctionne sur une confiance, en plus, acquise depuis longtemps. Mmh. On a beaucoup parlé du rôle d'Alexis Kohler auprès de lui comme secrétaire général de l'Élysée. Alexis Kohler, qui était son directeur de cabinet à Bercy, c'est vraiment celui avec lequel il a vraiment construit son parcours politique et même, j'allais dire, sa pensée politique. Et c'est intéressant de voir qu'au fil du quinquennat, là où certains ont commencé à prendre du poids politique, ce sont eux, les politiques, qui ont commencé à s'agacer un peu de l'importance prise par Alexis Kohler, un ensemble d'arbitrage. Par exemple, le fameux débat sur la retraite à 65 ans, ou les projets de réforme de l'école en donnant beaucoup plus d'autonomie aux établissements scolaires. Beaucoup disent, ça c'est vraiment sorti de la tête d'Alexis Kohler. Et ensuite, les politiques, eux, sur le terrain, voient comment une réforme impopulaire, les retraites, ou que les profs ne veulent pas forcément de la réforme de l'école, du moins telle que... lui, il est bien gentil, mais après, ce n'est pas lui qui est au contact des électeurs. Vous voyez, c'est cet éternel débat entre la vision d'une réforme et puis la prise en compte des réalités du terrain pour parler comme les candidats. Vous racontez une anecdote, pardon, où c'est effectivement dans un dîner François Bayrou qui dit à Alexis Kohler sur cette idée de réformer, de rémunérer les professeurs au mérite, et qui lui dit, mais est-ce que vous, Alexis, vous êtes déjà allé dans une salle de classe, vous savez ce qu'est être professeur? Donc effectivement, il y a cet antagonisme entre ces familles-là, entre les politiques et les conseillers, les collaborateurs. Dans ce cercle sectaire très masculin que vous décrivez, il y a quand même au moins une femme, c'est Brigitte Macron, qui a des craintes, notamment quand il est question d'organiser le meeting géant à Nanterre. Cette campagne est courte, il faut marquer les esprits. La salle de la Défense Arena, elle peut accueillir jusqu'à 35 000 personnes. Aucun politique ne s'y était risqué avant. Mais Brigitte Macron, elle est contre. Pourquoi ? Elle est contre. En tout cas, c'est sa première réaction quand elle arrive dans cette salle qui est, pour le coup, effectivement gigantesque, et que aucun politique n'avait jusqu'à présent, enfin avant Emmanuel Macron, fait un meeting d'une telle taille dans une salle fermée, hein, bien sûr, parce que par exemple Jean-Luc Mélenchon a fait des meetings plus importants, mais en extérieur. Et quand elle arrive, effectivement, c'est très impressionnant, une salle de 35-40 000 places qui est vide en plus, qui est sombre, et elle se dit, alors c'est quelque chose d'impulsif, mais elle se dit, si vous le mettez au milieu de ça, il peut être la cible. Voilà, d'un fou furieux, d'un attentat. Enfin, c'est un peu sa première réaction. Mais ensuite, bien évidemment, comme c'est le choix d'Emmanuel Macron de faire ce meeting, bien sûr, il choisit de faire quelque chose que jamais personne n'avait fait avant, ça, il adore. Du coup, elle l'encourage, elle l'accompagne, elle est présente pendant les répétitions jusqu'à ce meeting. Elle s'est aussi inquiétée du poids de la guerre en Ukraine sur son mari. Vous écrivez, elle dit, je le trouve fatigué, il n'arrête pas, on dort et on a des chefs d'État qui l'appellent sur son portable en pleine nuit. Ça ne s'arrête pas. C'est dans cette ambiance que s'est déroulée la campagne d'Emmanuel Macron. Il faut l'imaginer comme ça. En tout cas, je pense qu'effectivement, la campagne a été très particulière. Elle a été empêchée, d'ailleurs, j'allais dire, c'est même une analogie avec tout ce quinquennat qui a quasiment été un quinquennat qui a été empêché, en tout cas les trois dernières années. Cette campagne d'Emmanuel Macron, elle a été empêchée qu'à partir du déclenchement de la guerre en Ukraine, il est inenvisageable d'aller faire des meetings, d'aller faire des réunions, de faire campagne, comme on le dit. Et donc, tout son temps, en tout cas les premières semaines, est accaparé, comme Brigitte Macron le décrit, est accaparé par la gestion de ces crises, par les coups de fil avec Vladimir Poutine ou Volodymyr Zelensky qui dure des heures, mais en même temps ça reste Emmanuel Macron, il est très en même temps, c'est-à-dire qu'il est capable, je décris cette scène aussi dans le livre, il est capable, et ça c'est véridique, il sort d'un appel de deux heures avec Vladimir Poutine dans son bureau, il sort et à la minute il rejoint justement son cercle de conseillers, de fidèles, et ils attaquent sur la rédaction de tel tract et pour la campagne. Donc il a ce côté effectivement, il est complètement capable de... Alors, changer. Il a cette capacité, mais malgré tout, on ne passe pas aussi facilement d'un exercice à l'autre, même les politiques les plus habituées, les plus chevronnées. Je vais prendre un exemple. Sarkozy, en 2012,
ce fameux débat face à Hollande, où il a resté scotché face à Hollande, collé qu'il au mur, a mis dans les cordes. Parce qu'il est arrivé fatigué aussi. Il y avait ça, mais il y avait surtout le fait que Nicolas Sarkozy, qui était vraiment le débatteur par excellence, président de la République, pendant 5 ans, il n'avait jamais débattu avec un adversaire politique. Donc on a beau être excellent, on a beau connaître les codes, lorsqu'on le replonge dans le bain, il y a quand même un temps d'adaptation, un temps d'acclimatation. Et je trouve que dans cette campagne, on a vu la même chose pour Emmanuel Macron, avec ce fameux, je ne sais pas s'il faut l'appeler meeting ou cette rencontre de Poissy, hein, chez le maire Carl Olive, qui était l'exercice qu'il avait réussi comme président pendant le grand débat national. Donc, c'est voilà, un exercice qu'il sait faire, qu'il maîtrise, où il a montré qu'il est brillant et tout ça. Et bien, cet exercice, il a été raté parce que voilà, il replonge tout de suite, il passe. D'une rencontre, d'un coup de fil international à ça. Bah oui, il faut mettre un peu de dégrippant dans les rouages. Et peut-être que ça avait été aussi trop préparé. C'est une scène que je raconte dans le livre. Effectivement, cette fameuse rencontre de Poissy avec le maire qui est son ami, le maire Carl Olive. Eh bien, effectivement, on a su ensuite que voilà, les questions avaient été plus ou moins préparées. C'est une scène que je raconte dans le livre. Donc, d'où peut-être le manque de naturel, effectivement. Parce que pour le coup, Emmanuel Macron, je pense, n'est jamais aussi bon que quand il est confronté à l'hostilité, confronté à quelqu'un. On l'a vu, hein, voilà, quand il voit les Français, il va toujours dans une foule vers celui qui n'est pas convaincu. Il aime, il a un côté un peu prosélyte. Emmanuel Macron est le pire DRH de l'histoire de l'humanité. Il ne sait pas gérer les gens. Il est lamentable en ressources humaines. Des fois, il fait des choix. Tu te dis, mais il a fumé la moquette. C'est signé Sibeth Ndiaye. Et c'est le genre de témoignage assez cash, dans un langage assez cru, assez étonnant, qu'on peut lire dans votre livre Saveria Rojek, Résurrection, les coulisses d'une reconquête. Ça paraît chez Stock. Merci, vous restez avec nous. On a beaucoup de sujets d'actualité à vous soumettre. Mais tout de suite, la story de Mohamed Bouabsi. Mohamed, la disparition d'Antoine Aleno est l'objet de votre story ce soir. Regarde Antoine, tout le monde pense à toi. C'est par ces mots que le chef triplement étoilé Yannick Aleno a réagi sur Instagram après la mort de son fils. Antoine Aleno a été fauché dans la nuit de dimanche à lundi 9 mai. Il a été mortellement percuté à Paris, près du pont de l'Alma, dans le 7e arrondissement, par un chauffard qui venait de voler un véhicule de luxe. Antoine Aleno, en scooter, patientait à un feu rouge quand il a été heurté ce matin devant son restaurant Burger Père et Fils. L'émotion était palpable. Des riverains venaient déposer des gerbes de fleurs pour rendre hommage au chef de 24 ans. Il était toujours dans sa cuisine à regarder tout le monde, voir si tout se passait bien. Il venait souvent nous voir pour demander si tout se passait bien, si tout était à la hauteur. Et ouais, j'ai toujours été stupéfait par la créativité et par... la perfection dans l'assiette. Il était tout jeune et engagé dans ce qu'il faisait. Il faisait des bons burgers. C'était les meilleurs burgers de Paris. On a échangé rapidement. Il parlait avec des clients. Il m'a vu passer. On s'est salué. Voilà, je ne pensais pas que ce serait la dernière fois, évidemment. Prometteur, Antoine Aleno avait étudié à l'Institut hôtelier d'Avignon et à la célèbre école de gastronomie Ferrandi. Dans ce petit coin de Paris, nommé Beaupassage, coincé entre deux rues du 7e arrondissement, Antoine Aleno avait une grande place malgré son jeune âge. C'était un leader de la vie du quartier. On avait une très bonne relation de commerçant. Il passait de temps en temps au magasin, ses collègues aussi. Il était très sympathique, on le voyait souvent. Toujours quelqu'un avec le sourire, toujours quelqu'un à dire bonjour. Voilà, si on a besoin d'un coup de main, il est toujours là aussi avec son équipe. On n'est pas habitué à voir le restaurant fermé. Il y a toujours beaucoup de monde, beaucoup d'animation. Et là, il n'y a plus d'animation. C'est un coup dur pour tout le monde. Plusieurs grands chefs français comme Guy Savoy, Michel Sarran ou encore Christophe Michalak ont rendu hommage à Antoine Aleno. Le chef Thierry Marx a souvent croisé sa route. Il était impressionné par ce surdoué de la cuisine française. Un gamin doué en cuisine, surdoué même en cuisine, brillantissime et capable de manœuvrer de façon très à l'aise. Et surtout, il savait se faire aimer. Quoi. Vous avez vu à Beaupassage. Tout le monde se rappelle de lui comme si c'était lui un peu le boss de l'emplacement. Quoi. Malgré sa jeunesse, il était déjà chef et chef d'entreprise. Il était sur les traces de son papa. Et voilà, c'est difficile à définir parce qu'il y a beaucoup d'émotions quand vous parlez. C'est un peu comme si on perdait un de nos enfants. Quoi. C'est terrible.
après avoir percuté Antoine Alénaud, le chauffard a pris la fuite à pied. Il a été rapidement interpellé par un policier hors service. Le suspect a refusé de faire un test d'alcoolémie. Il était recherché pour une peine de prison à purger. Une enquête a été ouverte du chef d'homicide involontaire aggravé. La maire du 7e arrondissement de Paris, Rachida Dati, a exprimé son indignation après cet énième fait divers à Paris. Je trouve que dans ce pays où on fait fi d'une priorité, mais essentielle, et cette priorité, c'est la sécurité de tous. Cet individu qui a tué le jeune Alénaud, récidiviste, il vole une voiture en état d'alcoolémie très avancé. Il avait une fiche de recherche pour une incarcération, pour une exécution de peine. Vous savez, quand vous avez une fiche de recherche, c'est que vous avez été convoqué plusieurs fois et que vous n'avez jamais répondu à votre convocation. Et peut-être qu'on avait une adresse et qu'on n'est pas allé le chercher. Voilà pour le destin brisé d'Antoine Alénaud. Merci beaucoup, Mohamed Bouabsi. Émilie, dans l'est de l'Ukraine, sous le feu russe, 1000 mercenaires de la force Wagner auraient été déployés en renfort. Oui, c'est une force dont on soupçonne la présence dans le pays depuis le premier jour de la guerre. Selon le journal britannique Le Times, ces mercenaires russes auraient été déployés avant même le jour officiel de l'invasion de l'Ukraine le 24 février dernier. Leur mission, c'était assassiner Volodymyr Zelensky pour, je cite, décapiter le pouvoir en place. Information difficile à confirmer encore aujourd'hui. Cela fait partie en fait de l'ADN de cette armée de l'ombre. La Russie elle-même a toujours nié son existence, ce qui permet de nier leur agissement, jusqu'à la révélation des massacres de Boutcha en Ukraine. Cette fois, c'est le journal allemand Der Spiegel qui dit avoir intercepté des messages radio des soldats russes. Dans ces audios, il confirme avoir tué des civils à vélo, mais aussi que des mercenaires russes de ce groupe Wagner ont participé à ces exactions. Information confirmée ensuite par le ministère de la Défense britannique. Cette force est en effet très surveillée par tous les gouvernements. Dans cet aveu, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, avait commenté les méthodes de ces mercenaires. Le mensonge se poursuit. L'instrumentalisation est la règle. Et la manipulation des médias aussi. Depuis l'arrivée de Wagner au Mali, on a quoi ? On a à la fois des exactions qui se sont renforcées, on les connaît. Les mercenaires de Wagner, on les a déjà rencontrés en République centrafricaine. On les a vus aussi en Libye, on les a vus au Donbass. Mais c'est aussi la fin des libertés publiques. L'interdiction de France 24, de RFI au Mali. Donc c'est plus d'exactions et moins de libertés. Jusqu'à aujourd'hui, un seul membre de cette force a témoigné à visage découvert. Il s'appelle Marat Gabidouline, ancien soldat, ancien détenu. Il a 49 ans quand il intègre Wagner. Je m'appelle Marat. Je suis un ancien militaire. En 2015, j'ai été engagé par la société militaire privée Wagner. D'entrée de jeu, on nous a dit ouvertement. Ce travail implique, entre autres, de prendre part à des combats. Et les actions militaires, c'est des blessures, des traumas et une forte probabilité de mort. Ils nous ont bien dit de nous décider maintenant, car une fois sur le terrain, il n'y a pas de retour en arrière. Bonsoir, Rabat Gabidouline. Ex-commandant de l'armée Wagner, vous racontez votre expérience dans ce livre qui a été adapté en français par Véronica Dorman, journaliste à Libération, spécialiste de la Russie dont vous êtes originaire. Merci à tous les deux de votre présence ce soir. Vous êtes donc, Marat, un ancien militaire de carrière, soldat de l'armée russe, 10 ans dans les troupes aéroportées, avant de claquer la porte, de travailler un temps pour la pègre, de passer par la case prison, puis 3 années de chômage avant de devenir mercenaire pour tout simplement gagner votre vie. Chez Wagner, on est bien payé, mais on n'existe pas. Et dès le début, vous savez bien que cette armée n'est pas légale. Oui, bien sûr. D'après la législation russe, il n'y a rien qui parle de mercenaires. Donc on peut dire que légalement, on n'existe pas. Mmh. Disons qu'on ne rentre pas dans le cadre légal.
Vous estimez que ce sont les mercenaires, les vrais soldats russes, dans le sens où ils font le sale boulot des exactions dont le Kremlin n'a jamais à répondre. Да, конечно, потому что основная тяжесть выполнения боевых задач лежит на плечах вот этих вот формирований. По крайней мере, в Сирии войну делали именно наемники. En Syrie, c'était les mercenaires qui ont fait la guerre. Со стороны действия проправительственных Башара Асада войск, основную задачу уничтожения контре l'État islamique потенциала ИГИЛ совершили именно наемники. Et ce n'est pas l'armée régulière d'Assad qui a fait le boulot, mais nous, les mercenaires russes. Véronique Adorman, le groupe Wagner n'existe pas en Russie parce que, de toute façon, le mercenariat est totalement illégal. Mais c'est on entend le traducteur russe sur le plateau. À tel point qu'en Syrie, l'armée russe nie la présence des mercenaires et laisse l'armée américaine les bombarder. C'était le fameux épisode de février 2018 quand une colonne donc, de soldats loyalistes donc, de l'armée syrienne, ce qu'on sait officiellement, c'est que l'armée syrienne avance vers le champ gazier de Conoco. Donc, ce que raconte aussi Marat, c'est un épisode qui n'est pas rentré dans le bouquin, c'est que rien ne se passe sur le terrain sans l'assentiment ou en tout cas sans que les généraux russes soient au courant de ce qui se passe. Ils ne peuvent pas ne pas savoir ce qui se passe. Et donc, quand la colonne avance des mercenaires, les Américains leur disent aux Russes qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est vous ? Et les Russes disent non, on ne sait pas qui c'est. Donc en fait, les Russes les renient plusieurs fois et les Américains, à ce moment-là, bombardent. Et les Russes laissent les mercenaires en fait, se faire massacrer. Il y a eu des pertes énormes. Et on a su... entre plusieurs dizaines et plusieurs centaines, ouais. Réellement. Et beaucoup de ses camarades. Et Marat y était. Et a été blessé assez légèrement. Il dit qu'il a eu de la chance ce jour-là, mais il a traversé, il appelle ça un terrain de la mort quand il retourne en arrière, parce qu'ils attaquent pas seulement la colonne, mais ils attaquent aussi les arrières de cette colonne qui avançait. Et c'était une nuit terrible dans sa carrière. C'est ce que vous appelez un mensonge impardonnable pour vous, cette... La façon dont vous a laissé être bombardé alors que les Russes savaient que vos camarades allaient mourir, ça vous n'avez pas pardonné. Да, наше командование естественно знало, потому что именно они ответственны за этот участок, и они руководят действиями формирований, которые на этом участке. Parce que c'est eux qui maîtrisent la situation. Mais je pense que les Américains savaient aussi qu'on était là, on était des mercenaires russes. Il était quasiment impossible de se tromper et de nous prendre pour des Syriens. Nous sommes quand même très différents. Avant même la Syrie, votre première mission au sein de Wagner, c'est dans le Donbass en 2015. Hier, lors de son discours traditionnel du 9 mai, Vladimir Poutine s'est adressé à ses soldats. Écoutez. Vous vous battez pour nos soldats dans le Donbass, pour la sécurité de notre pays, la Russie. Слава нашим доблестным вооруженным силам! За Россию! За победу! Ура! Vous qui avez été sur le terrain justement en 2015 en Ukraine, oui. Comment est-ce que vous réagissez quand vous entendez Vladimir Poutine justifier cette guerre en disant que la Russie ne fait que défendre sa patrie face à Kiev ? En 2015, Dieu m'a sauvé, je n'ai pas participé au combat en Ukraine. J'étais en mission en juin, en juillet, début août 2015. Et à ce moment-là, il n'y avait plus de combat. Que voulez-vous que je vous dise ? De quelle défense on parle ? Il n'y a aucune défense. C'est un prétexte fallacieux. Pour moi, l'Ukraine fait partie du pays où je suis né, où j'ai grandi. Ce sont mes compatriotes. De plus, l'Ukraine aujourd'hui est un État souverain qui a tout à fait le droit de vivre comme bon il lui semble. Et on ne peut pas porter atteinte à ce droit. C'est inadmissible.
J'estime que c'est une erreur tragique, sinon un crime contre le peuple ukrainien avant tout, mais aussi contre le peuple russe. Un crime contre le peuple ukrainien, vous iriez jusqu'à employer le mot génocide ? Des Ukrainiens ? Non, je ne pense pas. Разрушенные города. Oui. На лицо. Il y a des villes qui ont été démolies. De toute manière, quand il y a une guerre, il y a des villes qui sont démolies, il y a des gens qui meurent. Соответствуют эти действия в полной мере этому. Maintenant, est-ce qu'on peut parler du génocide? Ну, я не знаю всей информации, я не владею. Ce n'est pas à moi de juger. По-моему, достаточно того, что разрушаются города и гибнут люди. On peut dire que les villes sont détruites et les gens meurent. Maintenant, comment vous l'appelez, génocide ou autre chose, ça n'a aucune importance. Véronica Dorman, est-ce qu'on peut estimer le nombre de mercenaires de Wagner en Ukraine et leurs actions, voire leurs exactions, on leur attribue des crimes de guerre. Est-ce que aujourd'hui, c'est dans une le hypothèse conflit, oui. Alors, c'est assez compliqué d'estimer leur nombre. Dans nos conversations, on parle de plusieurs centaines, je pense. On sait aussi que des mercenaires de Wagner qui étaient déployés en Libye ont été transférés en Ukraine. Pour ce qui est des exactions, il n'y a pas eu de preuves pour l'instant. On ne leur a rien attribué. Tout ce qu'on a découvert à Boutcha ou ailleurs, on sait qu'ils sont passés par là, parce que, comme Marat aussi l'explique, ils sont présents un peu sur tous les fronts, mais on les utilise plutôt comme une force d'assaut, d'attaque. Donc ils traversent les villes et ils se placent sur la ligne de front. Donc c'est pas eux qui tiennent les villes. Donc ils ne sont pas en contact vraiment avec les civils. Donc ils sont responsables de destruction, ils peuvent être responsables de mort, mais comme ils ne restent pas stationnés longtemps dans des pardon je regarde les images dans des lieux au contact des civils on n'a pas de preuves dans cette guerre là que eux sont responsables d'exactions. En revanche, sur d'autres terrains qui sont pas les terrains militaires, donc c'est au Mali en ce moment, c'est en Centrafrique aussi, là on commence à avoir des preuves assez concrètes, assez documentées que ce sont des Russes. Des formations russes qui sont derrière certaines atrocités. Marat, si vous témoignez aujourd'hui, c'est aussi pour éveiller la conscience de vos concitoyens russes, dont vous dites dans votre livre que leurs cerveaux sont transformés en gelée par l'œuvre de la propagande. Oui, je pense. Oui, je pense que durant ces 8 ans, depuis 2014, la propagande a vraiment tout fait pour obscurcir la conscience des gens. Quand vous entendez tous les jours, vous êtes entouré par des ennemis, l'Occident veut votre mort, l'Occident veut se saisir de vos richesses naturelles, l'Ukraine nous menace. L'Ukraine, c'est un pays qui a été envahi par les nationalistes ou les nazis. D'ailleurs, on confond les termes nationalistes et nazis. L'Ukraine représente un véritable danger. Les gens finissent par y croire. Ils sont programmés. D'autant plus que nous sommes en Russie. Et en Russie, nous avons toujours vécu dans l'idée d'être encerclés par le monde extérieur. Nous voyons le monde extérieur par la brèche. Véronica, quand vous avez rencontré Marat en 2021, vous l'avez rencontré en 2021, mais vous n'avez pas rencontré un repenti, ni un lanceur d'alerte. Vous dites que ça reste un soldat déçu. Marat s'est engagé quand il s'est engagé même chez Wagner, et ce qu'il dit, c'était effectivement pour régler des questions financières, mais aussi parce qu'il avait envie c'était une manière de servir la patrie. Et ça, je pense qu'il est sincère, et en tout cas, pour avoir passé beaucoup de temps avec lui, c'est un aspect de sa personnalité qui est clair. Il avait voulu être soldat, il ne pouvait plus l'être dans l'armée régulière parce que la vie a fait que. Est-ce que je retire de sa destinée, c'est que peut-être qu'il n'aurait pas dû se retrouver là où il s'est retrouvé si l'histoire du pays avait été autre, si
il a vu une autre vie lui-même. Donc, ce qu'il reproche, c'est pas tellement le mercenariat, parce que il le dit d'ailleurs, le mercenariat peut exister dans un cadre légal. Il y a des pays qui ont des qui emploient des sociétés de militaires privées, mais la manière dont c'est pratiqué en Russie va contre les intérêts de la Russie même et contre les intérêts des citoyens. Et le fait que Wagner existe en dehors du champ légal et les SMP, et les sociétés militaires privées en général en dehors de la légalité, d'une part, ça leur permet à eux de commettre des exactions et d'être hors du champ légal, et en même temps à tous ces citoyens russes de ne pas être sous la responsabilité des autorités russes. Donc quand il leur arrive quelque chose, ils sont livrés à eux-mêmes, leurs familles sont livrées à elles-mêmes. Marat, vous êtes exilé en Europe. Vous savez qu'avec ce témoignage, vous serez considéré, vous êtes déjà considéré comme un ennemi du peuple. Est-ce que vous pensez que vous pourrez retourner un jour en Russie ? У меня нет еще такой информации, что меня уже считают врагом народа. Personne m'a jamais dit que j'étais considéré comme ennemi du peuple. J'espère que personne ne me considérera comme l'ennemi du peuple. Je l'espère en tout cas. Враг народа у нас это человек, который говорит. Chez nous, l'ennemi du peuple est quelqu'un qui dit tout haut tout ce que tout le monde pense tout bas. Mais j'espère que je pourrai retourner en Russie. La Russie, c'est mon pays. Et j'aurais aimé que mon pays vive sainement et dans l'avenir, dans l'espoir de l'avenir, en coopérant avec l'Europe. Mais là, c'est mon opinion personnelle. Moi, Marat, ex-commandant de l'armée Wagner, ça sort le jeudi 12 mai aux éditions Michel Lafon. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Marat Gabidouline, merci Véronique Adorman d'être venue ce soir. J'appelle le podcast disponible dès demain sur toutes les plateformes d'écoute et produit par Paradiso Média dès aujourd'hui. Moi, Marat, ex-commandant de l'armée Wagner, vous interviewez Marat au cours de 6 épisodes. Merci à tous les deux d'être venus ce soir sur le plateau de C'est à vous. C'est tout de suite le 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Merci. Alors, c'est la petite danse du 5 sur 5. Tout le monde est en place ? Bonsoir Mathieu. Bonsoir, une fois de plus, la reine Elisabeth a brillé par son absence aujourd'hui. Oui, c'est un événement politique qui compte au Royaume-Uni. Un être vous manque et tout est dépeuplé. Tous les ans, la reine prononce son discours du trône devant la représentation nationale. C'est une cérémonie, en fait, très codifiée. Une cérémonie d'ouverture de la session parlementaire à chaque printemps ou après un renouvellement de la Chambre. L'occasion, vous le voyez, de ressortir des perruques et des costumes d'époque. Ça ne se loupe pas. La monarchie constitutionnelle britannique a son protocole. Et puis ce discours de la reine, écrit par le gouvernement. Elisabeth ne l'a manqué que deux fois en raison de ses grossesses. La dernière fois, c'était en 1963. Ça, c'était la norme jusqu'à ce que tombe l'info hier soir. Breaking news to bring you tonight. This just in from Buckingham Palace, who have announced that the Queen is to miss the state opening of Parliament. This is for the first time in 60 years, and they describe it as episodic mobility problems. The government's programme for the year ahead will be read tomorrow by the Prince of Wales. He will sit on the chair that he normally occupies when he goes to the House of Lords. People should assume that Her Majesty will not be attending events that she was supposed to attend, and decisions will be made on the day. La reine absente à 96 ans, la reine qui manque le discours pour des problèmes de mobilité, vous l'avez lu, la famille royale était cependant représentée. Alors vous voyez là le prince William et bien sûr l'héritier du trône, le prince Charles, son épouse, la duchesse de Cornouailles. C'est le prince Charles lui-même qui a lu le discours en remplacement d'Elisabeth. Her Majesty's government's priority is to grow and strengthen the economy and help ease the cost of living for families. In these challenging times, Her Majesty's government will play a leading role in defending democracy and freedom across the world, including continuing to support the people of Ukraine. Je rappelle que c'est la première fois en 59 ans qu'Elisabeth manque l'occasion, alors que la reine célébrera cette année ses 70 ans de règne, qu'elle a déjà été remplacée ou excusée à plusieurs reprises ces derniers mois. Alors, est-ce qu'il faut y voir une transition ? Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour elle ? Camille Schmitt a posé la question à la journaliste Louise Eklund, qui vient de publier « God Save My Queen » aux éditions du Rocher.
On peut dire quand même c'est un début de passation, mais ça a déjà bien commencé. Elle a souvent été remplacée dans ses déplacements officiels à l'étranger. Là, ce qui est frappant, c'est que c'est un remplacement en Grande-Bretagne. Et la priorité pour la reine, c'est le jubilé de la reine, les 70 ans du règne de la reine. C'est une fête nationale, il y aura 4 jours de festivités et je peux vous dire que la reine préfère que le pays soit en fête et qu'elle participe un maximum à cet événement plus que de participer au discours du trône. Le jubilé de platine de la reine Elisabeth se tiendra donc du 2 au 5 juin prochain. On devrait alors en savoir un peu plus sur son état de santé. Un couple prélevé par leur banque après la fermeture du livret A de leur fils décédé. Si on avait fermé le compte de notre enfant 2 jours avant sa mort, on n'aurait rien payé. C'est ce que dit Elodie, la maman d'un petit garçon de 9 ans qui est mort l'an dernier. Après avoir combattu un cancer pédiatrique auprès de leur fils, ses parents n'avaient sans doute pas pensé à tout le volet administratif. Et lorsqu'ils ont clôturé le livret A du petit garçon, la banque postale leur a prélevé 138,20 € au titre des frais de succession. Double peine et coup de colère pour Elodie que Camille Schmitt, la maman Elodie, Camille Schmitt a pu la joindre. 138 €... Ça peut paraître dérisoire, mais pour nous, c'était une question de principe. Cette somme-là, ce n'est pas pour la banque postale, cette somme-là, c'est pour nous, c'est pour continuer notre vie, c'était un autre enfant. Mais les parents sont obligés de faire une réclamation pour obtenir le remboursement de cette somme, alors qu'on a autre chose à faire, en fait. On a autre chose à penser, on a une tristesse à évacuer, voilà, il y a plein d'autres papiers. On ne va pas dire que c'est une violence supplémentaire, c'est un motif de colère supplémentaire plutôt. Une chose simplement, ces frais de succession ne sont pas seulement à la limite de la moralité, ils n'ont même pas lieu d'être suite au décès d'un mineur, ça c'est pour le point réglementaire, mais ce n'est pas qu'une histoire anecdotique isolée. Nous avons aussi joint l'association Eva pour la vie, c'est une association qui accompagne des parents d'enfants malades. Ce genre de tracasserie, entre guillemets, administrative, c'est le genre de difficultés auxquelles peuvent être confrontées ces familles endeuillées. En menant une enquête qu'on a lancée hier, on se rend compte qu'on a déjà des dizaines de réponses et que ça touche plusieurs banques. C'est vraiment un flou, puisque d'une caisse d'épargne à l'autre, par exemple, certaines le font, d'autres pas. La banque postale, apparemment, malheureusement, c'est assez généralisé. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment urgence d'interpeller les décisionnaires politiques là-dessus. Il faut vraiment légiférer pour que dans les conditions générales de l'ensemble des banques françaises, il n'y ait pas possibilité de facturer des frais quand on clôture le compte d'un enfant décédé, d'un enfant mineur. Pour revenir au cas de ce couple en Gironde, Louis Amar a contacté la banque postale qui renouvelle ses condoléances à la famille, bien sûr, qui explique que la procédure automatique s'est appliquée, mais qui s'engage à rembourser les frais prélevés. Ouais, c'est quand même une affaire assez sidérante et des fois on se dit que les automatismes... Ouais. À la place des parents, il faut imaginer ce contre-coup derrière. On pouvait le craindre, c'est désormais officiel, le pouvoir taliban impose la burqa aux femmes afghanes. C'est une nouvelle restriction, sans doute le symbole le plus fort de l'obscurité, de l'obscurantisme qui cache chaque jour un peu plus les femmes afghanes, réduites au silence et au statut de mineure. Déjà, en public, la burqa s'impose désormais. L'annonce a été faite ce week-end. Pour toutes les femmes afghanes qui sont dignes, le port de la burqa est désormais obligatoire. Les femmes qui ne porteraient pas la burqa seront d'abord identifiées, puis punies, et leurs tuteurs seront avertis. Le visage devra être dissimulé, à l'exception des yeux, pour éviter toute provocation, faute de quoi la prison pour ces femmes ou pour leurs tuteurs. À Kaboul, tout le monde ne cautionne pas forcément ce retour au voilement intégral. Mais il faut revenir sur les engagements pris à la chute de Kaboul l'été dernier. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Mais voilà ce que disait cette nouvelle génération de talibans il y a quelques mois encore. Et le même été, l'inquiétude des femmes afghanes.
Les femmes pourront conserver leurs droits au travail ou dans d'autres activités parce que les femmes ont une place clé dans la société. Nous garantissons tous leurs droits dans le respect des principes de l'islam. I feel extremely abandoned. I am, and I'm in danger. And not only that, my kids are in danger too. So it's the lives of my children and myself. I'm very scared. Whenever I leave my house, I'm scared because we don't know if we will come back alive. I don't like a scarf. If Taliban come, I have to wear a scarf. And it's awful for me. Mais depuis, les libertés accordées aux femmes se sont déjà réduites. On avait assisté à ce genre de scènes dans la rue, des femmes battues en plein jour par des talibans, notamment parce qu'elles portaient la mauvaise tenue. Aujourd'hui, quelques dizaines de femmes courageuses ont protesté contre cette nouvelle règle. Vous les voyez, des manifestantes qui ont réussi à marcher sur près de 200 mètres dans le calme. Elles ont été ensuite stoppées par des combattants talibans. Retour en France pour le 5 sur 5 ce soir. Plus léger, des soupçons autour d'un match de foot qui s'est achevé sur un score incroyable. 22 buts à 1, succès de l'AC Arles contre Septem en Régional 2 dimanche dernier. Vous avez vu le match ? Non ? Ah non, bah, je vais vous le raconter alors. 22-1, pardon, 22-1, c'est assez rare. Un but toutes les 4 minutes en moyenne. Mais voilà qu'un autre club alerte et pose la question de la fraude. Il s'agit du club de Martigues. Carl dépasse désormais au classement. À la différence de but. Un résultat comme celui-là, avec 21 buts d'écart, il s'agit forcément de quelque chose d'anormal ou d'exceptionnel dans le football. Moi, j'attends que toute la lumière soit faite sur ce match. Une commission d'enquête, ça va permettre de lever les doutes ou les interrogations qu'il peut y avoir. Il y a besoin d'être rassuré et voilà. Que s'est-il passé alors dans ce choc de Régional 2 AC Arles-Septem? Je voudrais rappeler que c'est Septem qui a ouvert la marque puis avant d'en prendre 22. Donc ils ont marqué le premier but. C'est affreux. Alors, du côté d'Arles, on dit que l'adversaire n'a pas joué, qu'ils ne se sont pas entraînés, qu'ils sont arrivés 10 minutes avant le début du match, que leur gardien n'avait pas de gants, que ça sentait le cannabis lorsque les joueurs sont sortis du minibus. Le président de Septem reconnaît que ces joueurs sont démobilisés. Il n'y a plus rien à jouer pour eux cette saison. Et c'est l'équipe réserve qui était là. Si on m'accuse clairement, j'irai porter plainte. Avec mes avocats, j'irai porter plainte pour propos calomnieux. Parce qu'il est hors de question que j'encaisse ce genre d'accusations alors qu'elles ne sont pas du tout fondées et qu'elles sont non seulement pas fondées, mais fausses. Il faut savoir que c'est l'équipe réserve qui est allée jouer à Arles pour ne pas faire forfait pour justement l'éthique du championnat. Que si on avait fait forfait, ça aurait été Arles qui aurait crié au scandale en disant que nous avons arrangé le match. Donc nous, on ne sait pas où se situer là-dessus. Les supporters d'Arles, au moins, ont dû s'amuser pendant le match. Reste qu'un écart de 21 buts. C'est assez rare. La Ligue Méditerranée a annoncé l'ouverture d'une enquête après ce match. Y a-t-il eu fraude ou non? Il reste un match à jouer dans leur championnat de Régional 2. Pour l'heure, sur le site de la Ligue Méditerranée, je voudrais le préciser, le score du match n'apparaît pas. Ah oui, on l'a effacé, on réécrit l'histoire. Voilà, fait évoluer le classement. Pour l'instant, le score est absent. Reste à savoir si le match sera validé. Est-ce qu'il y a eu la VAR? Est-ce qu'on peut regarder Les 22 buts au ralenti? En Régional 2, il y a rarement la VAR ou la possibilité de s'appuyer. Ça se trouve, il y a des marques contre son corps. Il y a des buts contre son corps en plus. Tout est possible. Je sens que ça va. Ça sent le cannabis en descendant. Voilà, je sens qu'on est qu'au début d'un feuilleton. Merci Mathieu, merci beaucoup Saveria Rojec. Je rappelle Résurrection, votre ouvrage, Les colis d'une reconquête chez Stock Guillaume Tabar. Demain, dans le Figaro, à la une. À la une. Eh ben, j'ai collé Guillaume Tabar. C'est j'en pas grave. On est en train de boucler. On lira le Figaro tout de suite. Nos invités d'Idéné, Sarah Abitbol et Jacques Gamblin. À tout de suite, on vous attend.